Bonjour, ensemble nous allons parler du Quintet Plus du vendredi 8 avril sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le prix Sefens, un départ à 20h15, une course assez difficile à déchiffrer. Et pourtant, il me semble qu'il y a trois bases assez solides et je vais vous les présenter. Commençons par le numéro 13, Ghost. C'est l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard. Et ce numéro 13 vient de s'imposer très facilement sur l'hippodrome de Bordeaux après avoir trotté à l'extérieur de l'animateur. Ghost est bien reparti pour s'imposer et contrôler toutes les attaques. C'est un cheval qui alterne le trot attelé et le trot monté avec une grande réussite. Il n'est d'ailleurs jamais sorti des trois premiers en 2022. L'écurie Abrivard est en pleine forme. C'est assurément un postulant à la victoire et un favori assez logique. Parlons aussi du numéro 9, Guilain de Mai. C'est l'entraînement de Stéphane Provost, la casaque de l'écurie d'Hanover. Et ce Guilain de Mai vient de s'imposer comme à la parade sur l'hippodrome de la Capelle en contrôlant le débat pour s'imposer finalement avec une certaine marge. Il est bien engagé cette fois. Il a bien gagné à la Capelle, je l'ai dit. Il était déféré des 4 pieds. D'ailleurs, quand il est déféré des 4 pieds, c'est 7 courses, 4 victoires, 86% dans les 5 premiers. Bref, c'est une bonne base à l'arrivée. Le numéro 14, Galon de Vire, devra rendre la distance, mais c'est un cheval qui redescend de catégorie. Il a affronté des bien meilleurs lots cet hiver et il vient de tracer une belle ligne droite sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un attentiste, il faut que ça se passe bien, il faudra donc espérer du rythme. Mais avec lui, on peut être sûr qu'il va fournir une belle fin de course et pourquoi pas jouer un tout premier rôle. Comme associé, je vous propose le numéro 8, Gélise, qui est bien placé en tête, qui peut suivre tous les trains et qui sait finir vite. Il est dur à l'effort et capable de bien sprinter. Le numéro 11, Galion Voilsin, est le mieux engagé au premier écheton. Il est pieds nus pour cette belle course et l'entraîneur affiche un émoji vert sur le site du trot. Et enfin, le numéro 16, Fignot du Pomereux, c'est le plus riche du lot. Et il s'entend très bien avec Eric Raffin, avec qui il compte deux podiums en trois sorties. Mon ticket s'articule donc de cette façon, 13, 9, 14, 2X, les associés 8, 11 et 16, pour la coquette somme de 12€ dans ce Quintet Plus de vendredi. La difficulté est à hauteur de 60% puisqu'il me semble qu'il y a 3 bases et derrière c'est assez ouvert, mais j'ai détaché 3 chevaux qui me semblent plus recommandables pour espérer toucher un joli rapport. Bien entendu, toutes les informations sont sur equidia.fr, toutes les courses de référence et interviews pour mieux faire votre papier.